مرحبا بكم من جديد متابعي سبورة نت. دونك باش نقدم لكم اليوم شابتر 1 انتروديكسيون ا لا جيستيون. دونك لو شابتر سو كومبوز دو 6 سيكسيون. سيكسيون 1 لا ديفينيسيون دو لا جيستيون. سيكسيون 2 لي فيناليتي دو لا جيستيون سيتادير لي بوت و لي اوبجيكتيف دو لا جيستيون معناتها اهداف التصرف. سيكسيون 3 لي كونسيبت فوندامونتو دو لا جيستيون المفاهيم الاصليه لمدى التصرف. سيكسيون 4 لي تاش دان جيستيونير معناها لي رول يعني دور الجيستيونير. سيكسيون 5 لي زوتي دو لا جيستيون لي زوتي معناها لي مويان الوسائل المعتمده للتصرف. اي لا ديرنيير سيكسيون سي لا نوسيون دوبورتونيتي اوبورتونيتي معناها استغلال الفرص باش نشوفو النوسيون. Passons maintenant à la définition. Donc, la gestion est l'exploitation efficace des ressources disponibles pour réaliser les objectifs fixés. L'exploitation, c'est-à-dire l'istighlal, efficace en neige des ressources disponibles, les mawarid al mutawaffira. Pour réaliser les objectifs. Objectif, c'est-à-dire but, c'est-à-dire هدف fixé, يكون محدد. Donc, la bonne gestion, هو حسن استغلال الموارد المتوفرة للحصول ولا لتنفيذ الأهداف المقررة. Donc, il faut préciser trois types de ressources. Donc, في الديفينيسيون هذه فما deux mots clés à retenir, اللي هما les ressources disponibles ou les objectifs fixés. Donc, les ressources disponibles sont trois types de ressources. Donc, des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources financières. Les ressources humaines, c'est-à-dire mawarid al-bacharia. Fi entreprise, fi mu'assa, fi sharika, bach nlqaw mawarid al-bacharia. Kima les directeurs, les ouvriers, les chefs, etc. Donc, des ressources matérielles. Tout ce qui est matériel technique pour le travail. Les voitures, les machines, les ordinateurs, etc. etc. Les camions, etc. Et des ressources financières. Donc, qui a le capital, qui est le capital, le charika, ou bien l'emprunt, qui est le qarz banki. Donc, concernant le deuxième mot-clé, c'est l'objectif fixé. C'est quoi l'objectif fixé? C'est quoi le but de la gestion? Le but de la gestion, c'est la réalisation des bénéfices, تحقيق الأرباح المادية. Donc, le but de faire la bonne gestion, c'est la réalisation des bénéfices. Donc, c'est la définition de la gestion. Passons maintenant à la deuxième section, les finalités de la gestion. Ça veut dire les finalités de la gestion. Les finalités, c'est-à-dire les buts, c'est-à-dire les objectifs finaux de la gestion. Donc, parmi les finalités de la gestion, l'utilisation efficace des ressources disponibles, c'est-à-dire l'exploitation efficace des ressources disponibles. Tout ce qui est ressources matérielles, financières et humaines. Donc, deuxième objectif, c'est la réalisation des objectifs fixés. Et troisième finalité, c'est l'augmentation de la part du marché, c'est-à-dire améliorer la part du marché, améliorer la capacité concurrentielle. معناها تحسين القدرة التنافسية, معناها ناخذ une partie importante dans le marché. Fait section, il y a deux, il faut faire une remarque. Il faut distinguer entre deux types de buts. Il y a un but lucratif et un but non lucratif. Le but lucratif, c'est l'هدف المادي, c'est-à-dire réalisation des bénéfices qui met les entreprises privées. Le but non lucratif, هو هدف غير مادي, معناها هو الاوبجيكتيف سوسيال ولا دي زوبجيكتيف سوسيو, اهداف اجتماعيه كيما لي زورغانيزاسيون بوبليك, لي زوبيتو, اكسيتيرا, اللي هما المنظمات العموميه ولا المنظمات الاجتماعيه اللي الهدف نتاعها يكون اجتماعي. دونك باسون فير تروازيام سيكسيون او اون فا فوار لي كونسيبت فوندامونتو دو لا جيستيون. لا تروازيام سيكسيون لي كونسيبت فوندامونتو دو لا جيستيون, المفاهيم الاصليه للتصرف. دونك pour faire la gestion, il faut maîtriser quatre concepts fondamentaux. Premier concept, c'est la planification. Planification, déjà fait le mot plan, tartit en arabe, c'est-à-dire il faut faire des plans. Rien au hasard, mais chihache au hasard. Préparer des programmes, tahdir baramj. Donc, une planification, tartit ou barmaja.
Donc, deuxième concept fondamental de la gestion, c'est l'organisation. Tandis, diviser les tâches, c'est-à-dire taqsim l'adwar, taqsim l'amal, organiser le travail, tandis l'amal. Troisième concept, c'est la direction. L'idara, diriger et guider un groupe. Donc, pour être un gestionnaire, tu dois être capable de diriger, tu dois jouer ou taqoub, je moi. Donc, quatrième concept, désolé, donc c'est le contrôle. Le contrôle, c'est-à-dire évaluer les résultats obtenus. تقييم النتائج المتحصلة عليها كل واحد في même dans la vie يلزم يقيم النتيجة اللي وصل لها. Donc c'est le quatrième concept fondamental de la gestion. Passons maintenant vers section numéro 4 où on va voir les tâches d'un gestionnaire. Lorsqu'on dit tâche, c'est-à-dire rôle. Le gestionnaire dispose de trois types de rôles. Il a un rôle lié au personnel. Donc rôle lié au personnel de l'entreprise. C'est-à-dire, il doit motiver le personnel. Motiver, c'est encourager. C'est, il est en relation avec le personnel. Il y a un droit à l'équable. Le موارد البشرية الموجودة في المؤسسة, tout ce qui est مديرين, ولا des chefs, ولا عمال, ولا etc. Le gestionnaire doit être capable, il doit être قادر على تحفيز العمال ولا الخدمة. Motiver le personnel. Donc, deuxième type de rôle, c'est le rôle lié à l'information. دور مرتبط بالمعلومة. Le gestionnaire, comme principal rôle, il doit communiquer les informations. Il doit savoir qui وصل المعلومه convenablement le personnel ولا les collègues نتاع الزملاء ou les clients. Donc troisième rôle, c'est le rôle lié à la décision. Un gestionnaire doit être un décideur. Gestionnaire متصرف يعني قادر على اخذ قرارات. Il doit résoudre les problèmes, يحل المشاكل, ياخذ قرارات ويحل المشاكل. C'est ça le rôle lié à la décision. Passons maintenant vers la cinquième section, la cinquième section, les outils de la gestion. Lorsqu'on dit outils, c'est-à-dire les moyens de la gestion. Donc, pour faire la gestion, il faut maîtriser quatre moyens. Donc, la comptabilité, les connaissances en comptabilité nécessaires pour faire la gestion. Al-muhasaba, les mathématiques financières. Ce sont des connaissances scientifiques nécessaires pour faire la gestion. L'informatique, et les statistiques, l'EHSA. Donc, les quatre outils de la gestion, ce sont des moyens nécessaires pour faire la bonne gestion. Ce sont des moyens utilisés pour gérer. Un gestionnaire doit être capable de faire un peu de la comptabilité, des mathématiques financières, de l'informatique et des statistiques. Passons maintenant à la dernière section dans ce chapitre, la notion d'opportunité. L'opportunité est une situation. L'opportunité est une situation, c'est-à-dire wabaya, qui offre la possibilité de réaliser un gain. Un gain, c'est-à-dire bénéfice. Un gain, c'est des bénéfices. Et qui pousse le gestionnaire à prendre une décision. Pousse le gestionnaire à prendre une décision, c'est-à-dire oblige le gestionnaire de prendre la décision. Donc, c'est une situation qui oblige, donc pousser, c'est obliger, pousse le gestionnaire. Pousser, c'est-à-dire obliger. Donc, pousse le gestionnaire à prendre une décision, c'est-à-dire le gestionnaire va prendre un décision. Donc, il y a une situation où il y a un décision. Le gestionnaire offre, il y a un décision de taux et il y a un décision de taux et il y a un décision. Donc, il y a force, il y a le bon gestionnaire. Ou il y a un décision de taux et il y a un bénéfice à les entreprises. Il y a une décision efficace. Il y a un décision de taux et il y a un bénéfice sur l'entreprise. Donc, tu arrives à l'opportunité, Dima, il faut saisir qu'il s'agit d'une situation qui est wabaïa, donne la possibilité, pratique amkaniya, pour que tu t'hassal à la maxa, de réaliser un gain, des bénéfices, ou l'aide nécessite que le gestionnaire doit prendre la décision, doit réagir. Donc, hakayen kamlo, la partie théorique du chapitre 1, on met le résumé, on a des mots-clés, c'est un résumé, fille les mots-clés nécessaires ou les concepts nécessaires de la gestion en chapitre 1. Donc, tabouna fi sabora net, mais je m'en dis comme série numéro 1, où il y a des exercices d'application
pour faciliter la maîtrise du premier chapitre.